قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين. كذلك من المندوبات الغسلة الثانية والثالثة في الوجه واليدين، يعني أن الغسلة الأولى للوجه واجبة، أما الغسلة الثانية والثالثة مندوبان. وكذلك اليدين المرفقين الغسلة الأولى واجبة والثانية والثالثة مندوبان. هكذا يعبر عنه بالشفع والتثريث. ذلك ابن عاشر يقول: والشفع والتثريث في مقصورنا. اختلفوا في غسل الرجلين، اختلفوا في غسل الرجلين هل مطلوب الشفع والتثريث أو المطلوب الإنقاء فقط. قيل أن الرجلين يطلب فيهم الشفع والتثريث، يعني أن الغسل الأولى واجبة والغسل الثانية والثالثة مندوبان. وقيل لا يطلب الشفع والتثريث، وإنما هو المطلوب الإنقاء، يعني تنظيف، من تغسل رجليك حتى تنظف، سواء تنظفت بواحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. L'auteur, rahimahullah, poursuit en disant: le surplus de lavage du visage, des mains et avant-bras. D'accord. Ici, dans le texte, on a aussi indiqué de même que les pieds, de sorte à tripler. Mais le cheikh, ici, qu'Allah le préserve, a détaillé les différents jugements. Ici, lorsqu'on dit le surplus de lavage du visage, premièrement, donc on parle du visage. On parle aussi maintenant des yadayn, donc à savoir les mains, les avant-bras, coudes compris. Ce qui est voulu par ça, c'est donc observer le doublement et le triplement. Ça veut dire quoi? Le fait d'observer un deuxième, puis un troisième lavage de ces membres-là. Après les avoir lavés chacun une fois en entier, eh bien, il est demandé, il est recommandé à la personne de les laver une deuxième, puis une troisième fois. La deuxième en soi et la troisième en soi sont deux actes recommandés qui sont indépendamment recommandés. Maintenant, quant aux pieds, il y a une divergence dans l'école. Certains ont dit qu'effectivement, il est demandé aussi de tripler le lavage des pieds, tout comme il l'est pour le visage et les mains, avant-bras, coudes compris. Donc certains ont dit que c'est recommandé aussi pour les pieds, de sorte à donc tripler ce lavage pour l'adoration. Que ce soit un acte, ce triplement est donc un acte adoratif, un acte ta'abboudi. Mais certains ont dit que quand on parle ici d'une recommandation, quelque chose qui est demandé pour le triplement des pieds, ils ont certes dit aussi que c'est bien de multiplier le lavage des pieds, en plus de l'obligation qui est une seule fois, c'est bien de multiplier, mais non pas pour l'acte adoratif, non pas pour une adoration, mais pour la propreté, pour le fait de nettoyer ses pieds des saletés, du sol notamment.